Zoltan, de Doulos FM, chers téléspectateurs de notre page Facebook, je vous salue et je vous bénis dans le nom souverain de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je suis très heureux de partager ce moment extraordinaire avec vous, ce moment de partage, ce moment d'adoration, ce moment de célébration de l'Éternel. Le psalmiste a dit, je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Le Seigneur est bon, il est vivant, il est au milieu de nous, et ce matin, nous allons passer quelques heures à adorer le Seigneur, à partager l'intimité avec le Saint-Esprit. Donc, je vous invite à être scotché à votre chaîne de télé, Zoé Channel, à être avec nous dans cet esprit de louange et d'adoration, parce que l'Éternel veut vous accorder la victoire sur vos ennemis. Dieu veut renverser les forteresses établies contre votre vie. Dieu veut, à travers ce moment, nous amener dans d'autres dimensions avec lui. Et je voudrais aussi vous annoncer que demain, par la grâce de Dieu, à la même heure, Mon Michalom sera en direct de Zoé Channel pour des moments d'adoration, de célébration. La Bible dit, je me crie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Donc, à travers la louange, à travers l'adoration, pendant tout ce moment que nous aurons à passer à vous, avec vous, la gloire de Dieu se manifestera et Dieu nous délivrera de tous nos ennemis. Donc, si vous êtes malade, vous êtes souffrant, vous subissez des attaques nocturnes, vous êtes victime de sorcellerie, rien ne fonctionne pour vous, tout ce que vous entreprenez échoue, vous êtes fatigué dans la vie. Jésus-Christ a dit, venez à moi pour tout ce qui est chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Vous vous souvenez qu'au bord du puits de Jacob, Jésus-Christ a croisé la femme samaritaine et puis il a parlé à cette femme qui croyait qu'elle était adoratrice. Elle pensait que c'était les Samaritains. Il y avait une dispute entre les Samaritains et les Juifs. Et puis Jésus va trancher net en disant que ni les Juifs ni les Samaritains n'entraient dans le plan de Dieu des vrais adorateurs. Et lui dira, les vrais adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc nous allons passer ce moment d'intimité avec Dieu, d'intimité avec le Saint-Esprit, qui devrait être l'ami de chacun d'entre nous. Donc, si vous n'êtes pas encore rempli dans le Saint-Esprit, c'est l'occasion pour vous d'expérimenter le Saint-Esprit et la grâce de Dieu dans une autre dimension. Donc, je vous invite très nombreux à vous scotcher à ce channel. Nous allons prendre une petite pause et je vous reviendrai juste après cela. Et nous allons commencer. Nous parlerons des grands programmes de ce mois. Nous parlerons des nuits de prière de Yaoundé et de Douala, celle de Douala déjà. Vous savez qu'elle aura lieu ce vendredi à partir de 21h et je serai personnellement à Douala pour diriger cette nuit de prière. Après cela, on aura la nuit des flammes de Yaoundé et nous aurons les cultes de fin de mois de février, ce dimanche 23 février, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, nous serons là avec vous et je sais que la main de Dieu se manifestera. Je pense que par la grâce de Dieu, tous ces grands programmes seront là pour nous rapprocher du Seigneur, pour nous donner d'entrer dans les profondeurs de l'alliance avec le Saint-Esprit. Et nous savons que le 1er mars, nous avons le grand culte des plaintes à l'Éternel à partir de 8 heures au Palais des Congrès. Le 23 dimanche sera à Etoimeki, juste à côté de la boulangerie Select. Donc, que la main de Dieu soit avec vous. Et je vous reviens dans un instant. Nous passerons ce moment ensemble et peut-être que nous pourrons aussi interagir avec nos téléspectateurs pour les bénir, pour passer un moment agréable et de qualité avec vous. Que la main de Dieu soit avec vous et je vous reviens juste dans un instant. Voilà.
Christ encore une fois de plus. La Bible dit dans Psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et pénétrerai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais, et sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Puis, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes les vagues, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la détresse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Magora agare mamero jevara mi movaro minshura mi manorakfora ajera mi lo ekshuro mi moram lora ora mi mora infarumi jera mi mole. E c'era vero, e c'era vero, e c'era mi mora i fili mi luri, se vera mi maro. Sevara mi malage, divini mi nura abana salavaro. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'écran je suis,
rochers des âges. L'Éternel est Dieu. Éternel est Dieu. Le grand je suis. Le rocher des âges. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Jevaro. 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 Que l'Éternel te bénisse, l'Éternel te restaure, qu'il restaure ton sourire, qu'il te donne la santé. La santé chaque jour. Qu'il te donne longue vie. Qu'il te donne la victoire. La victoire sur l'ennemi. Te donne son salut. C'est une adoration, dans tous les cas, toutes ces adorations sont des adorations issues des moments d'intimité avec Dieu dans la prière et qui m'ont été révélées par le Saint-Esprit dans ces moments-là. Et donc, parfois, j'ai pris la peine de les traduire en français. Donc, nous n'oublions pas que ce vendredi, nous serons du côté de Douala pour la grande nuit des flammes qui commencera à partir de 21h à Dogbon, derrière l'immeuble Camden. Nous vous attendons très très nombreux pour des moments de restauration, de guérison, de délivrance et de bénédiction familiale. Nous servons un Dieu bon, nous servons un Dieu vivant et je sais que la fidélité de l'Éternel est notre partage et notre force. Donc, ne manquez pas à ces grands rendez-vous
Et n'oublions pas aussi que c'est dimanche aussi, 23 février, nous avons deux grands cultes de bénédiction. Vaincre la sorcellerie par le sang de Jésus-Christ. À Yaoundé, ce sera et toi, Meki, à partir de 16h en soirée. Et à Douala, ce sera à Ndokbon, derrière l'immeuble Kamler, à partir de 8h le matin. Donc, que la fidélité de l'Éternel soit votre partage, que sa bonté soit avec vous, dans le nom souverain de Jésus-Christ. Nous allons continuer en adoration. Et la fidélité de l'Éternel est notre force et notre bouclier. Varo shurami magave Adonai mu sherofera Adonai azurami mole Adonai jero uverami la sofremi mejaro minu gufere Ejerami, Jeram Sura Uferamo, Elohim Surami, Ela Surami, Ela Surami Mora Uframilo, Ebarami Mora Ire Thank you.
Rabbana Elahi wa Ilhaflo. Eje varo shurumi malvore gumelamu shurumi fero adonai jero adonai jerami bofrele shurumi la mejaro fela mi more. Ei surumi shelo magazuri Be shorame shera fero Sevaro, sevara mi mole Sevaro, shurumi mo Sevara mi lo Gag surame, moje bejera me lo se Oh 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 L'adoration et la louange à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Il est merveilleux. Quel que soit le moment difficile que vous traversez, ne vous découragez jamais. N'arrêtez jamais d'adorer Jésus-Christ. N'arrêtez jamais de le célébrer. Il est notre Dieu. La Bible dit Yahweh lahem la kenwe atem taharisho. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous allez vous reposer. Nous voulons continuer à l'adorer. Tout en n'oubliant pas que ce dimanche, ce vendredi d'abord, je serai à Douala pour la grande nuit des flammes. Et dimanche le 23, nous serons à Douala à 8h et à Yaoundé à Toamiki à partir de 16h le soir. Nous allons détruire les forces, la sorcellerie agissant dans nos familles pour que la restauration soit notre partage. La Bible dit le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Que les œuvres de Satan soient détruites dans nos vies au nom souverain de Jésus. Et la Bible dira dans le livre de Jude, Satan, que le Seigneur te réprime. Que Satan soit réprimé dans vos vies pendant que vous écoutez cette adoration. Vous voyez, c'est des moments où vous priez. Vous placez vos sujets de prière devant le Seigneur. Parlez à Jésus, dis-lui Seigneur, voici mon sujet de prière. Voici ce à quoi je m'attends. Seigneur, j'ai besoin que tu me touches. J'ai besoin d'un miracle dans ma vie. Seigneur, voici la montagne qui me barre la voie et qui m'empêche d'évoluer dans la vie. Et dans ce moment d'intimité, je voudrais, Seigneur, que tu déplaces cette montagne loin de ma vie. Il le fera parce qu'il est fidèle et parce qu'il vous aime. Nous allons prendre une petite pause et nous allons revenir juste après cela pour continuer avec ce moment de louange et d'adoration. À l'Éternel la louange, à l'Éternel l'adoration.
Zaye,
toi et Titi à Mikondo Mere. Allah mi dotore tua utina mi godomere tawutina mi godomere tawutina tawutina mi godomere Alanga yokia bidotore tawutina ya ala tawutina ya migodomere midotore tawutina ya migodomere midotore Midotore, tawutini ya migodomere. Midotore, tawutini ya migodomere. Lava na isa lamino lamino wa
La basse. Galos mana te barakita umin abromi un aros mi tolfao. He has lifted me higher. He has lifted me higher. Higher, 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 higher
au-dessus de mes ennemis. Acclame le Seigneur Jésus à la maison, acclame-le partout où tu es en train de suivre ce moment d'adoration, de victoire, ce moment d'adoration, d'élévation avec le Seigneur. Acclame Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour la vie, nous bénissons le Seigneur pour la santé. N'oubliez pas, il y a toujours une raison pour bénir le Seigneur. Peut-être vous manquez de tout, vous manquez de mari, vous manquez d'enfants. Mais il y a quelque chose pour laquelle vous pouvez adorer le Seigneur. Vous manquez peut-être un mari, mais vous avez vos deux yeux pour voir vous marcher sur vos deux pieds. Il y a des gens qui sont nés aveugles. Donc il y a toujours une richesse pour laquelle nous pouvons célébrer le Seigneur. Il y a toujours une raison sur laquelle s'appuyer pour dire merci à Dieu. Vous vivez aujourd'hui, beaucoup de personnes auraient souhaité vivre comme vous et moi, mais elles sont mortes. Et nous, Dieu nous accorde toujours la vie. Donc je vais célébrer le Seigneur. Si vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas d'enfant, ou bien vous êtes malade et tout, célébrons le Seigneur pour la vie. Appuyons-nous juste sur ça, la vie. Le souffle de vie que nous respirons, célébrons le Seigneur pour cela. Vous trouverez qu'en le célébrant, vous serez fort. En le célébrant, votre montagne va se rapetir devant vous et vous l'écraserez. Vous passerez, parce qu'il y a une grande force dans l'alliance de l'adoration et de la louange. Notre Dieu est vivant, il est au milieu de nous et il aime qu'on l'adore. Je vous assure, Jésus aime qu'on l'adore. Voilà pourquoi il dit, je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc il est jaloux de sa gloire. Dieu, vous voyez, il ne faut pas toucher son trône. Alors nous donnons la gloire parce que la louange et l'adoration constituent le trône de notre Dieu, il siège. Alors je parle, Dieu est en train de combattre déjà vos combats. Et ce dimanche 23 février, il va combattre encore pour vous à Douala, 8h, et à Ndokbon, derrière l'immeuble Kamler. Et à Yaoundé, ce sera à 16h ici, à Itouameki. Et par la grâce de Dieu, ce vendredi à Douala, à partir de 21h, ce sera fort. La parole de Dieu, la louange, l'adoration, la prophétie dans sa beauté pour votre délivrance, juste pour la bénédiction de vos familles. Donc ne manquez avec personne. Dimanche, ne laissons personne à la maison. Le 1er mars, le grand culte des plaintes à l'Éternel avec nos formats
oint, avec le stylo oint, nous allons présenter nos plaintes à notre Dieu avec service d'eau oint gratuitement distribué à tous les participants. Et tous nos enfants doivent être là, service d'impartition avec l'huile de faveur. Chacun doit avoir sa bouteille et nous voulons consacrer et élever encore nos familles vers l'Éternel, notre Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit avec vous. Et nous vous revenons juste après cette pause en annonce. Voilà, chers téléspectateurs de Zoé Channel, nous sommes de retour dans ce moment d'adoration. Et je sais que beaucoup de personnes sont guéries pendant que nous adorons le Seigneur. Quelle que soit la maladie que vous portez, au nom souverain de Jésus-Christ, je tends ma main et j'ordonne que la guérison et la santé soient votre partage. Quelle que soit l'association de malfaiteurs spirituels contre votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient dispersés. Toute attaque des MST contre ta vie, contre ta famille, je parle des MST, c'est-à-dire maladies spirituellement transmissibles, reçois la guérison et la restauration au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. L'Éternel vous guérit. Tout sorcier, tout hôtel maléfique établi contre vous, la Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la sorcellerie contre Israël. Qu'il en soit ainsi dans votre vie pendant que vous adorez le Seigneur. Avant la fin de ce moment d'adoration, vous vous rendrez compte que vous êtes guéri. Vous vous sentez bien, vous portez bien de la tête jusqu'aux pieds. Et quand vous retournerez à l'hôpital, votre médecin sera la première personne à être étonné. Et pendant que nous adorons, vous vous rendrez aussi compte que les portes fermées se sont ouvertes. Oui, où vous avez échoué hier, aujourd'hui, vous réussirez là-bas. La main de Dieu est au milieu de nous et nous allons encore l'adorer sans oublier que ce vendredi, ce sera en live. Je serai en live à Ndokbon, derrière l'immeuble Kamlet, l'église Rema Ministry Mission pour la grande nuit des flammes. Et dimanche, on aura culte à Douala à partir de 8h. À Yaoundé, ce sera à 16h à Étoile Mekki, juste en face de la laverie qui est derrière Boulangerie Select à Étoile Mekki. Sans oublier que ce dimanche 23 février, nous luttons contre les œuvres de la sorcellerie. Vous êtes bloqués, vous sentez que vous n'êtes pas où vous devriez être. Vous sentez que le niveau que vous avez, ce n'est pas celui que Dieu avait pour vous. Et tout ce que vous faites dans la vie, ça ne va pas sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, étudiantin, etc. Spirituel, ministériel. Je vous donne rendez-vous ce dimanche 23 février à Douala à 8h et à Yaoundé à partir de 16h. Et dimanche, le 1er mars, nous aurons le grand culte des plaintes, le premier culte des plaintes de cette année. Ne manquez pas, c'est un moment extraordinaire. Nous avons les conférences des bienfaiteurs de cette année et je reviendrai tout à l'heure sur les conférences, les deux grandes conférences des bienfaiteurs de Yaoundé et de Douala. Alors, nous allons continuer en adoration. Ayo me la divini mumram
Zéphéram. Zéphéram, j'étais te guéra, mi mou. Souvina l'eau. Gouferami, c'était te guéra, mi l'eau. Ayami no l'am, c'est vede garo, mi non. C'est vede gari moram. Gouferami no l'am, c'est la mi moitié vodem. Chevorem lasra ayomelo le maro se vede ke jevaro sora mi more votem atela milo se vede me no gover chevorem lamlo ke jevado melo se vere mi no raksra chevere mi no raksra Govera milo, se vere mino gorom. Aje vetera. Ayumera, sofera mi divini meno garo. Ayume, mushera mo sevara mi mumlam. Ayumi mo lambalo sevara mi mumram. Sevara mi mumram. Esaro mi no lem sevara mi mumram. Ayove do te. Sara me souvi de givi guimar Ayume Gosera me severa mori Ayame lo talamani sevara mi no gura Sevara mi guvaro Eje vole molam sevara me lo saro Eje voshera Jevaro milo, sevara mi more votem. Sevara mi more votem. Ago jevara mi, sevara mi more votem. Sevara mi more votem. Ago jevalo me, sevara mi more votem. Sevara mi more votem. Koshera mi molem, sevara mi more votem. Sevara mi moro votem, gosera mi lo, sevara mi moro votem. Sevara mi moro votem, agi jevala me, sevara mi moro votem. Sevara mi moro votem, e jevara mi lo, sevara mi moro votem. Aje vosera. Madonata Magasu. Aclama, 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 aclame. La louange à toi, Père, la louange à toi.
la louange, la louange. Seigneur, accorde la santé à ceux qui nous regardent. Tu connais leurs problèmes, Seigneur. Je t'en supplie, accorde la victoire à chacun dans ces combats. Que nos enfants soient préservés contre la sorcellerie. Père, toute personne dans notre environnement envoyée par Satan pour notre destruction, Père, que tes anges la saisissent. Que ta main forte et puissante agisse. Seigneur, accorde une grande délivrance à travers cette chaîne maintenant. Toute personne connectée à Zoé Channel, à Doulos FM, connectée à YouTube, quelle que soit la nation, recevez votre miracle, une visitation divine. Que Dieu touche votre dossier maintenant. Que Dieu touche votre cas. Que le Seigneur apporte une solution. La solution que vous avez cherchée depuis longtemps dans le nom puissant de Jésus. Qu'il y ait une explosion ministérielle au nom souverain de Jésus. D'ailleurs, il faut dire que du 5, 6 au 7 mars, j'ai un grand rendez-vous avec tous les hommes de Dieu, ouvriers, tous ceux qui aspirent à servir le Seigneur, qui veulent connaître les secrets du ministère. Rendez-vous avec toi, Meki, tous les soirs à partir de 17h. Et nous travaillerons ensemble et Dieu se manifestera. Le troisième jour, il y aura impartition dans votre vie pour votre ministère. Le thème, c'est Explosion ministérielle 2020. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons ressortir de ce grand programme avec la dernière adoration. Et vous allez nous manquer. Vous nous manquez déjà. Je veux dire un coucou à ma charmante épouse et tendre femme. Que Dieu te bénisse pour tout ton soutien. Dieu te bénisse pour la femme que tu es. Et je prie pour tous célibataires, que Dieu vous accorde un homme, une femme qui vous aime. Et pour tous les couples déchirés, que Dieu réprime Satan dans votre couple et qu'il vous réunifie à nouveau dans le nom de Jésus. Pour le Cameroun, nous prions pour la paix dans notre nation. Nous retournons dans l'immersion en adoration. Jera surumi e jera mi hamsharo e jevere maro usurumi morakbana sakrumi hamsevaro ayumi no fera malati moremi no rai. Exorome amsherai e jevere milo enna ermin autem. Exorome amsara ayumi morevo mratra frami mora. Esproivi amsara maro jivini min garo. Asra frami muratras esklomi amsebaro eyumi movero maladi mina krevore esprovi emsherevaro ayami moleta guremi malago exorome. Am sevaro, ayami no varo, mitra frami mora itras. Espera, e jevene varo, ayami moleta, kora mi molevo. Eshorome, jevaro. Oh, je t'adore. Je t'adore, notre Jésus. Oh, je t'adore. Je t'adore, mon Jésus. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Adorons notre Jésus. Je t'adore, mon Jésus. Oh, je t'adore.
Yeshura mi mole, ma divini min adiram. Esh provi, am sevaro. Egura mi malo, shura mi mali kuminar. Esh provi, exura mi. Echira mi mole, inatra vra mi moro. Espera, ago jeva. Esara mi mole, gura mi moveta. Shura mi, srovra minra. Aksara vra mino, gravro min tra srovra deres. Fromiri, amino krem. Ayami molato, jevala mi alute mira. Sofre mi, ila, ila mi nukra, bravre mrasra drasro. Koreidal, ichira, ejevala mi lo, shukriya menakrem. Os previ llevaro. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Adorons notre Jésus. Oh, je t'adore. Je t'adore, mon Jésus. Je te loue. Oh, je te loue. Je te loue, mon Jésus. Oh, je te loue. Oh, je te loue. Je te loue, mon Jésus. Je t'aime. Oh, que je t'aime. Que je t'aime, mon Jésus. Oh, que je t'aime. Que je t'aime, mon Jésus. Oh, que je t'aime. Que je t'aime, mon Jésus. Oh, que je t'aime. Que je t'aime, mon Jésus. Que je t'aime, mon Jésus. Oh, que je t'aime. Que je t'aime, mon Jésus. Oh, que je t'aime. Que je t'aime, mon Jésus. Oh, que je t'aime. Que je t'aime, mon Jésus. Oh, oh, que je t'aime. Que le Seigneur vous bénisse, que sa main soit sur vous. Que sa grâce soit avec vous, que la richesse de sa gloire soit sur chacun de vous. Au nom de Jésus, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Votre vie est bénie, vos enfants sont bénis, vos familles couvertes dans le sang de l'agneau. Que ce mois du sang de Jésus-Christ, que le sang de la nouvelle alliance parle en votre faveur. Nous nous retrouverons certainement prochainement, mais demain à la même heure, mon Michalom vous tiendra en adoration et en louange. Et pendant que vous participez à ce moment, que Dieu exauce toutes nos prières au nom de Jésus-Christ. Shalom. Dieu Seigneur, je t'aime.